zankuba tangwana zangyaba biu zankuba tangwana zangyaba bemukia tuone njonga kondani bemuwane tuone njonga nundani ambejiri ngono kuna datuni ambejiri dangereuse. Il ne faut même pas que tu aspires l'odeur. Ok, merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Soraya, viens ici. Tiane, rentre chez toi. Allez, assieds-toi ici. Soraya, tu t'approches trop du petit. Tu le distrais. Il n'arrive plus à se concentrer sur ses études. Il ne finira jamais en une année. Mais papa, pourquoi tu t'intéresses autant à la réussite de Tijane? Sa réussite m'intéresse pour des raisons que toi-même tu sais. Ne joue pas à la naïve avec moi. Regarde comment nous vivons depuis que ta mère nous a quittés. Tu ne veux pas une vie meilleure que ça, toi? Si Dieu a décidé une telle vie pour nous, on devrait être heureux. D'ailleurs, on ne vit pas malheureux. Toi, tu es vraiment bête. Qui recule devant l'argent? Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Tiens, amoureux de toi. Alors, comme ça, s'il obtient son héritage, il t'épouse et notre famille bénéficiera de cet héritage. Épouser? Oui. Désormais, tu ne peux plus le distraire. Moi, je veillerai à sa réussite dans la médecine traditionnelle. Et quant à toi, tu veilleras à ce que son amour tienne jusqu'à ce qu'il obtienne sa fortune. M'as-tu compris? Soraya. Oui, papa. Bien. Oui. De la bonne bouillie. Je veux bon regarder la télé. Non, non, non. Bon.
quoi maintenant? Ça va se refroidir? Non, ça va aller. Ok. Qui est moi, Lily? J'y vais nettoyer. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est le colonel qui vient de partir? Oui, oui. Oh merde. Je lui ai manqué de justesse. Vous êtes sa fille? Non, je travaille pour eux. Et madame, elle est là? Oui, elle est là. Je vous accompagne la voir. Non, ce n'est pas la peine. Elle ne travaille pas? Non, elle reste à la maison avec les enfants. Ah. Je ne savais même pas qu'il avait des enfants. Ils sont combien? Trois. Trois. Ok. J'ai pris tout votre temps. Non. Je vais essayer de rattraper le colonel au bureau. Okay. Merci pour votre aide. Non, ainsi, il t'a donné le portable. Je te jure, le lendemain seulement. Tiens, le voilà. Ah, mais il faut que tu m'apprennes à l'utiliser. Je ne sais pas comment on fait. D'accord. En plus, je lui ai demandé de nouveaux habits. Et qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit à la fin du mois. Le pauvre, tout son salaire va y passer. Je vois que tu écoutes bien mes conseils. Ah, et ce n'est pas tout. Je vais le faire chanter jusqu'à ce qu'il craque. Sa mère, lui, pense avoir trouvé une boniche à manipuler. Je vais leur montrer qui moi je suis. Tu fais fort. Mais il faut que tu sois plus indépendante. Au magasin, ça bouge bien en ce moment. J'aurais besoin d'aide. Si ça t'intéresse, je t'embauche. Ah, mais bien sûr que ça m'intéresse. Merci beaucoup. Enfin. Je vais pouvoir quitter cette maison, juste un peu. Madame, merci d'être passée. Madame, notre carte de visite. Ah, c'est gentil. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup. Bonjour. Ah, bonjour, patronne. Ça va? Ça va un peu. Un peu? Tu as eu combien de clients depuis ce matin? Une seule, madame. Une seule personne? Surveille la boutique, je reviens.
Edgar, qu'est-ce que tu as? Rien de grave. Juste quelques problèmes à la maison. Ah, tu as encore besoin d'argent? Non, c'est pas ça. Laisse tomber, c'est là. Salut. 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 Elsa. Oui. Mais tu ne présentes pas ta copine? Oh, c'est vrai. Ma copine. Lui, c'est mon frère et lui, c'est Raphaël. Enchanté. 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 Wow. Quelle bombe. Ah, mais c'est une belle créature. Il faut que je gère ça. Ah non. Oh, Jean-Claude. Si c'est pour le CV, oui. Au revoir, les gars. Allez, bye. Elsa, viens. Oh, Elsa, file-moi le numéro de ta copine. Oui. Nafi, qu'est-ce que tu faisais au magasin d'Irène? Je travaille dans sa boutique désormais. Quoi? Tu en as parlé à ton mari? Et pourquoi? Il n'arrive même pas à subvenir à mes besoins. Je me prends en charge. Tu as besoin de quoi? Tu es logé, nourri, gratuitement. Gratuitement même. Dans ce monde-là, tout a un prix. Tu as déjà vu quelqu'un qui dort et qui mange? Il faut que tu arrêtes de travailler chez cette femme. Elle déteste Raphaël. Alors elle ne peut pas t'aimer. Écoute-moi. Je ne veux plus que tu me dises ce que je peux ou ne peux pas faire. Je travaille pour Irène. C'est tout. D'ailleurs, depuis que je suis arrivée dans cet enfer, c'est la seule à m'avoir accueillie correctement. Alors, ça sera comme ça. Ferme ma porte quand tu sors. Tu vas regretter tous ces jours. Pour le moment-là, moi, je vis. Oui, j'arrive. Ah, Raphaël. Bonjour, Karine. Bonjour. Tu as trouvé facilement la maison? Oui, c'était pas caché. C'est une très belle maison. Merci. Viens. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je peux vous aider? Avec cette beauté, je ne peux que me laisser guider. Nous avons des chemises et des parfums et aussi des montres. Qu'est-ce que vous voulez? C'est juste, je venais juste jeter un coup d'œil. Et voyez, ça ce sont nos chemises. Il y a d'autres catégories par là. Par exemple, celle-là. Je pense qu'elle va vous aller. Elle est très belle. Elle n'est pas trop chère. Il y a celle-là aussi. Vous prenez laquelle? Appelez-moi à la descente, s'il vous plaît. Vous n'allez rien prendre? Non, je venais juste jeter un coup d'œil. Prochainement. D'accord. À bientôt. Allez. Là, c'est grave. Il m'a donné son numéro et puis il me demande de l'appeler à la descente. Comment moi je vais faire? Pourquoi tu hésites? Appelle-le. Tu n'as pas vu comment il est. C'est pas n'importe qui. Donc de l'appeler? Vas-y, appelle-le sans hésiter. Merci beaucoup.
Nafi, tu viens de descendre d'une voiture, c'est qui? Mais de quoi tu parles? Hé, ne me pousse pas à bout. Nafi, je t'ai posé une question, c'est qui? Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu viens de descendre d'une voiture tout à l'heure, qui t'a déposé? Descends d'une voiture. Ne me pousse pas à bout. C'est Ali. C'est qui Ali? C'est un ami. Toi, depuis quand tu as des amis? Moi, je ne peux pas rester ici et puis ne pas avoir des amis. Attention, hein! Fais quoi dans la vie? Je travaille dans une petite boîte d'expertise comptable. Et toi? Moi, je m'occupe des affaires de mon père, qui est dans le pétrole. J'ai longtemps vécu au Soudan. Et là, je suis rentrée pour me reposer un peu. C'est très bien. Et tu comptes rester longtemps? Ça dépend. Si quelqu'un capture mon cœur, peut-être. Dis, tes parents... Ils sont où? Et tu as des frères et des sœurs? Ils sont toujours au Soudan et je suis fille unique. C'est pour cela que mon père me gâte un peu trop. Ça m'agace même. Bon, j'avais besoin d'être loin d'eux et me voilà. Et toi, ta famille? Moi, mon père, il est décédé il n'y a pas trop longtemps. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. J'ai trois frères et sœurs. Et c'est moi qui dois m'occuper de toute la famille avec mon meilleur salaire. En plus, il y a la maîtresse de mon père qui vit avec nous. Oula, mais ça ne doit pas être facile. Non, pas du tout facile. C'est moi qui invite. Ah, ok, d'accord. Avec la bouillie n'a pas marché. Comment ça? Souli a renversé la bouillie. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai une idée. Je vais mettre le poison dans les gâteaux. Est-ce que c'est la peine même? Il faut qu'elle meure. Tu es sûr que ça va marcher? On n'a pas le choix.
ma copine, c'est la meilleure. Mes frères veulent me tuer. Tu crois que je devais le rapporter à Benoît ou à la police? Mais j'ai pas de preuves. Patience et stratégie. Bon, je suis partie. Bye bye.